Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format d'enquête d'histoire. Nous sommes aujourd'hui dans la maison d'un illustre Tarnais, Jean Jaurès. Mais ce n'est pas de lui dont je vais vous raconter la vie. C'est son fils Louis qui va nous mener du jardin jadis arboré de cette maison de campagne aux lugubres tranchées de l'Aisne. Voici l'histoire tragique d'un jeune garçon bien né que l'histoire va engloutir dans ses abysses. Louis naît dans une famille bourgeoise. Sa mère, Louise Bois, appartient à la famille assez influente des Gisclard et des Thierry de Villefranche-d'Albigeois. Son grand-père maternel était un fromager aisé, devenu sous-préfet. C'est chez lui, dans un bel hôtel de la République, que Louis naît le 27 août 1898 à Montron, sous-préfecture de Dordogne. Mais si Louis a une ascendance prestigieuse, c'est bien par son père et sa famille, les Jaurès. Une famille de militaires et notamment de marins. Charles Jaurès, grand-oncle de Jean Jaurès, est un amiral de la marine française. C'est lui qui a notamment ramené le grand obélisque de Louxor jusqu'à Paris. Son petit frère, Benjamin, est lui aussi dans la marine. Il navigue sur tous les océans avant de devenir député du Tarn, sénateur, ambassadeur et même ministre de la marine. Puis il y a Louis, le frère cadet de Jean Jaurès, l'oncle de notre héros du jour. Dans la navale, il commande le fameux cuirassé Liberté, qui explose dans la rade de Toulon en 1911, causant la mort de plus de 300 marins. Vous le voyez, du côté paternel, le petit Louis a fort à faire pour être au niveau des hommes de la famille. Il a aussi une grande sœur, Madeleine, qui a 9 ans de plus que lui. Grâce aux activités politiques de leur père, les enfants Jaurès vivent le plus souvent à Paris, dans le 16e arrondissement qui est encore champêtre. Ils sont locataires d'une maison peu éloignée de l'école des enfants. Mais très souvent, le plus souvent qu'ils peuvent, la famille Jaurès revient dans le sud. La maison de Bessoulette est leur havre de paix, leur retour à une vie plus calme, les pieds ancrés dans la terre. Bessoulette est une ancienne ferme appartenant à la famille de Louise, la mère de Louis. Une grosse propriété entourée de 50 hectares de terre. Sur la route qui mène de Villefranche à Bouzieis, les lieux sont agréables et les nombreux arbres du parc rajoutent à l'ambiance bucolique. La maison fait 400 mètres carrés exposés sud-ouest, une véritable maison d'affreux bourgeois, comme disait en rigolant Jean Jaurès. Sa façade, parfaitement régulière, parsemée de fenêtres arrondies de style toulousain, se veut être parfaite. C'est aujourd'hui une bâtisse abandonnée qui ne demande qu'à revivre. Nous sommes là dans le bureau personnel de Jean Jaurès. C'est ici, près de cette cheminée qui est derrière moi, qu'il a écrit, qu'il a raturé ses feuilles pour trouver la bonne formule, qu'il a aussi reçu ses visiteurs. C'est dans le parc de la maison qu'il déclamait ses discours avant de passer devant les députés ou devant quelques ouvriers dont il prenait la défense. Le jeune Louis a pour précepteur non officiel l'instituteur du village, Jean Pujol. Avec sa femme Lucie, ils enseignent à Villefranche dans la tradition la plus pure des hussards noirs de la République. Lors des vacances, Jean Pujol apprend à Louis l'algèbre. Et quand Jaurès n'est pas là, il tient un peu le rôle du paternel. René, le fils des instituteurs, est un ami de Louis. Ils jouent très souvent ensemble dans ce parc de Bessoulette, immense cour de récréation. Jean Jaurès tient Louis éloigné de la politique. Et il dit à Jean Pujol, « Vous qui savez donner à notre jeunesse le sens du civisme et de la responsabilité, aidez-moi, je vous en prie, à en faire un homme. Vous qui connaissez si bien le milieu rural, montrez-lui la grandeur, la valeur du travail paysan. » Dur, routinier, parfois ingrat, mais que la récolte épanouie régénère au fil des saisons. Louis est grand et svelte comme sa mère. Il a le teint clair, les cheveux blonds et les yeux bleus. Lucie, la fille des instituteurs de Villefranche, n'est pas insensible à son charme. C'est elle qui nous a laissé de précieux témoignages de la vie quotidienne à Bessoulette, de savoureuses anecdotes où Jean Jaurès est un homme comme un autre. Par exemple, elle raconte que lors d'un soir de Noël, alors qu'il découpe la dinde, Jaurès, parlant d'un de ses combats politiques, fait de grands gestes démonstratifs.
Mais la chienne du couple d'instituteurs qui avait réussi à pénétrer la maison profite d'un geste trop ample du tribun pour lui soutirer le pilon bien garni de chair de la dinde prévue pour les hôtes. Embarras du côté des instituteurs, grand éclat de rire du côté Jaurès, la dinde ne sera pas un incident diplomatique. Lors de ce même Noël 1913, le dernier passé à Bessoulet pour Jean Jaurès, il est question d'une carabine. René, le fils des instituteurs, reçoit l'arme en cadeau. Aussitôt accompagné de Louis, ils vont dans le parc pour essayer de tirer quelques oiseaux. Louis et René se servent du grand parc et des grands arbres de la propriété. À l'affût dans les branches des cèdres, ou en rampant sur le ventre comme une approche de Sioux, les jeunes adolescents font de cette propriété une zone de chasse exclusive. Louis manie bien la cara, comme il l'appelle. C'est le temps du bonheur et de l'insouciance. Malheureusement pour lui et pour nous, son père Jean Jaurès est tué le 31 juillet 1914. Louis, qui n'a pas encore 16 ans, va entrer de force dans la vie adulte. Jean Jaurès était le chantre de la paix. Depuis l'attentat de Sarajevo le 28 juillet 1914, où l'archiduc François Ferdinand a trouvé la mort, le jeu des alliances fait basculer l'Europe vers la guerre qui paraît alors inévitable. Jean Jaurès use de tous ses talents pour appeler au calme et à ne pas sombrer dans la folie meurtrière. Malgré tous ses efforts, le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare une guerre préventive à la Serbie. L'empereur d'Autriche-Hongrie, François Joseph, déclare à ses proches « Une guerre préventive, c'est comme un suicide par peur de la mort ». Trois jours plus tard, le 31 juillet, Jean Jaurès continue inlassablement son lobbying pour la paix. Il veut rencontrer une nouvelle fois Viviani, le président du Conseil, mais ne voit que le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères à Belferry. Jaurès lui dit « Si le gouvernement persiste à aller vers la guerre, je dénoncerai les ministres à tête folle. » Abel Ferry lui répond « Mon pauvre Jaurès, on vous tuera au premier coin de rue. » Jaurès quitte Ferry et se rend au Café du Croissant rue Montmartre pour dîner. À 21h40, il est tué par Raoul Villain, un nationaliste rémois. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre épisode sur la mort de Jaurès si vous ne l'avez pas encore vu. Jaurès mort, la guerre est inévitable. La mort de Jaurès, puis la déclaration de guerre le 2 août 1914, plonge le pays dans une noirceur qui va durer 4 ans. Louis, qui vient de perdre son père, entre brutalement dans la vie d'adulte. Il demande à sa mère une carabine. La veuve éplorée, convaincue par son métayer, accède, malgré elle, à la demande de son fils chéri. Dès le lendemain, la trotteuse tirée par le percheron gris ramène le métayer à Bessoulet. À ses côtés, Louis, avec la précieuse carabine entre les mains. Pendant plusieurs semaines, Louis tire partout où il le peut. Il fait la guerre dans le parc de la propriété, lui qui n'a pas encore l'âge de faire la vraie guerre. Tous les hommes en âge de porter les armes sont mobilisés. René, son copain, Jean Pujol, le précepteur, il ne reste que les femmes qui se morfondent, l'atmosphère est triste. Puis un jour, Louis annonce au métayer « Demain, je creuse une tranchée ». « Hunt !» lui répond en occitan le métayer. « Ici, devant la maison, rétorque Louis. » Aux grandes dames de sa mère, Louis creuse une tranchée pour faire comme les hommes empêtrés dans les tranchées boueuses du nord et de l'est de la France. Pendant une semaine, armé de pelles et de pioches, il creuse le long de la façade un profond boyau refusant tout concours de ceux qui veulent lui prêter main forte. Au bout d'une semaine, il peut enfin déambuler dans sa tranchée, couronné de sacs de sable disposés en créneau. Il annonce fièrement à sa mère « Ce soir, je dors dans ma tranchée. » Au petit matin, le métayer va voir Louis. Il dort paisiblement dans la tranchée, trempé par la rosée, le canon de sa carabine posé sur la joue. Quelques temps plus tard, Louis entre au lycée d'Albi. Mais il n'y reste pas longtemps, son patronyme le rattrape. Un jour qu'il était à l'école, circule sous les pupitres un pamphlet anonyme intitulé « Jaurès le vendu, Jaurès le boche ». Louis est choqué. Et c'est là qu'il prend une décision radicale. Il veut s'engager pour partir à la guerre afin de sauver l'honneur de son père. Le commandant Gérard, un militaire ami de la famille, essaie de le convaincre de rester dans le Tarn, de mûrir encore un peu. Rien n'y fait. Louis s'engage dans l'armée. Les adieux à Bessoulet sont poignants. Sa pauvre mère pleure toutes les larmes de son corps. Il faut la comprendre. Son mari est mort, sa fille Madeleine s'est mariée et ne donne plus de nouvelles. Et voici que son fils s'en va aussi.
Louis raconte « Je veux défendre mon père contre les calomnies dont il fut couvert et qui ont armé la main de celui qui l'a assassiné. Je dois rester fidèle à sa véritable pensée et à son idéal. Je veux prouver son patriotisme pour être digne de lui. » Le 2 octobre 1915, Louis s'engage dans la cavalerie. Il est affecté au 7e régiment de dragons. Il y reste jusqu'au 11 mai 1916, où il intègre alors le 12e régiment de cuirassiers et il est nommé brigadier. C'est dans ce régiment qu'il a pour camarade Philippe Barrès, le fils de Maurice Barrès, l'opposant de son père. Mais face aux Allemands, les ennemis d'hier sont forcés de se battre l'un à côté de l'autre. Louis intègre par la suite le centre des élèves aspirants de Saint-Cyr. Le 20 juillet 1917, il est promu aspirant. Intégré dans le 10e bataillon des chasseurs à pied, Louis se bat au chemin des Dames ou encore à la Malmaison. Fin 1917 et début 1918, il tient le front des Vosges. Les conditions sont terribles. Confiné dans les tranchées, la neige le couvre intégralement. Il est bien loin le temps de la tranchée creusée à Bessoulette où il dormait paisiblement. Dans une vraie tranchée, accompagné de ses camarades, Louis dort mal. Les obus sont rares, certes, mais il tue quotidiennement. Au mois de mai 1918, Louis vient en permission dans le Tarn. À sa mère, il évoque ses hommes, ses gars merveilleux, comme il dit. Il a trouvé sa place dans ce bas monde. Il apprend que son bataillon est engagé dans la bataille de Reims. Il décide aussitôt de partir pour aider ses hommes en difficulté sur le front. Après avoir passé une dernière nuit ici à Bessoulette, dans la bibliothèque de son père, il part pour Paris. Le commandant Gérard l'accompagne jusqu'à la gare de l'Est. Le 28 mai 1918, le 10e bataillon de chasseurs à pied est envoyé par camion près de Soissons pour contrer l'offensive de Ludendorff. C'est la 3e bataille de l'Est. L'objectif de l'ennemi est de créer une attaque de diversion contre l'armée française qui tient le chemin des Dames afin d'empêcher cette dernière d'envoyer des renforts aux Britanniques présents au nord où le général allemand prévoit une offensive sur Calais. La surprise est totale. 7 divisions françaises se retrouvent face à 30 divisions allemandes. Le front est percé. Le bataillon de Louis reçoit l'ordre de se porter sur la montagne de Paris près de Soissons. Le 30 mai, tout s'accélère. Les destructions des ponts fracturent l'unité des troupes. Tout le monde tente énergiquement de préserver ses positions. Le 3 juin, l'artillerie informe qu'elle doit se retirer face à la progression des fantassins allemands. L'ordre est donné de se replier. Mais certains refusent. C'est le cas de Louis. Les Allemands progressent irrémédiablement. Louis, qui refuse de battre en retraite, motive ses troupes. Dans le bruit assourdissant de la guerre totale, Louis crie à ses soldats « Allez en arrière, moi je reste ici !» Les obus pleuvent, les balles sifflent. Louis monte sur le parapet de sa tranchée armé d'un fusil mitrailleur et tire plusieurs rafales. Les Allemands sortent du bois en rampant dans les herbes hautes. Dans le sacrifice total de sa personne, Louis vide le chargeur de son fusil mitrailleur quand il est touché à la tête par une balle allemande. C'est fini, Louis est mort, il n'avait pas encore 20 ans. Louis est mort d'une balle dans la tête, comme son père 4 ans auparavant, triste destinée. Le commandant Gérard a écrit au lendemain de la mort du jeune Louis « Il ne savait rien de la vie quand il partit à la guerre, il savait tout quand il mourut. » Mais une question demeure, où est le corps de Louis? Dès l'annonce de sa mort, sa cousine Lily Esquilate et sa mère Louise demandent une enquête pour retrouver le corps de Louis. Mais l'intensité des combats durant l'offensive allemande fut une violence inouïe. Les obus ont déchiqueté le sol et les disparus se comptent par milliers. Le commandant Nicolas, qui dirigeait les opérations du 10e bataillon de chasseurs à pied, raconte dans une lettre adressée à Lily, la cousine de Louis. « Jaurès me plaisait comme il plaisait à tous par son courage, sa décision, sa franchise. La veille de sa mort, j'ai dîné avec lui dans une cave de Pernan dans l'Aisne. Je lui ai donné le commandement d'une section de son ancienne compagnie. Il en était tout heureux. »
Le soldat Dorade, de la 4e compagnie du bataillon, m'a raconté ceci. L'aspirant Jaurès se trouvait dans la matinée du 3 juin avec un groupe de ma compagnie sur le plateau de Pernan, à la lisière d'un bois. Nous étions pressés par les Boches. Jaurès est monté sur le parapet du boyau avec un fusil mitrailleur. Il a été frappé d'une balle. Il est tombé sans dire un mot. A remué les jambes un instant et n'a plus bougé. J'ai vu le caporal Bidot le soigner avec les soldats Moreau et Doreau. Ils l'ont ensuite descendu sur Pernan. Quelques heures plus tard, j'ai croisé à nouveau Bidot, Moreau et Doreau transportant le corps de Jaurès. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Voici donc le témoignage du soldat Dorade qui a vu Louis se faire tuer sous ses yeux. Il a aussi assisté, on vient de le voir, à la tentative de certains soldats ramener le corps à un poste de secours. Sur ces informations, sa mère, Louise, demande à tout prix de retrouver son petit. Elle dit « Cherchez dans les ambulances, les hôpitaux d'Allemagne, la Croix-Rouge de Genève. Je suis à bout, je n'ai plus de force. » Mais malheureusement pour elle et pour l'histoire, les trois hommes qui ont essayé de ramener le corps de Jaurès ont disparu le même jour que Louis. En disparaissant, ils ont emmené avec eux le secret du lieu où repose le corps du jeune Louis Jaurès, tué au combat pour sauver l'honneur de son père. Encore aujourd'hui, personne ne sait où est le corps de Louis. Peut-être un jour, dans le secteur de Pernan, retrouvera-t-on un corps que l'on pourra identifier comme celui de Louis. Mais il ne faut pas oublier que plus de 460 000 soldats morts pendant la Première Guerre mondiale sont disparus sans laisser de traces. Merci à tous de m'avoir écouté raconter la vie tragique de Louis Jaurès. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Enquête d'Histoire sur notre chaîne Savoir est un devoir.